Bonjour, je m'appelle Claire et je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une toute petite grenouille. Toute petite, tellement petite qu'on ne la voyait pas, qu'on ne l'entendait pas. Un jour, elle en a eu assez. En se promenant sur un sentier, elle a vu une flaque d'eau. Elle s'est approchée et bloup, 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 elle a bu toute l'eau de la flaque. Et elle est devenue un peu plus grosse. Mais pas assez. Opiopa, elle a fait quelques pas jusqu'à l'étang, pas loin de là. Elle s'est penchée sur l'eau et bloup, 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 elle a bu toute l'eau de l'étang. Elle est devenue plus grosse, mais pas assez. Opiopa, encore quelques pas jusqu'au ruisseau, pas loin de là. Elle s'est penchée sur l'eau et bloup, 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 elle a grossi, mais pas assez. La rivière, le fleuve, bloup, bloup, elle a bu toute l'eau. Elle a grossi, grossi, et elle est arrivée à la mer. Elle n'avait jamais vu la mer. Et là, waouh ! Qu'est-ce que c'est grand ! Qu'est-ce que c'est beau ! Elle a regardé devant et elle a vu que la mer, elle n'avait pas de fin. Elle s'est penchée sur l'eau et bloup, 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 elle a bu toute l'eau de la mer, toute l'eau de toutes les mers, toute l'eau de tous les océans. Elle a bu toute l'eau du monde entier. Et là, elle était vraiment grosse, vraiment grande et bien contente. Mais il y avait un problème. Enfin, pour les autres animaux de la terre, pour les hommes, il n'y avait plus une seule goutte d'eau. Alors, ils ont eu soif, très soif. Très soif. Et pour la première fois du monde, ils se sont rassemblés, tous ensemble, sans se disputer. Et ils ont réfléchi. Comment faire ? Un hibou a dit : « J'ai une idée. » Il a rassemblé tous les hiboux, ils se sont envolés jusqu'à hauteur du regard de la grenouille. Et là, ils ont commencé à discuter, à parler. « Grenouille, écoute-nous, nous sommes la voix de la sagesse, il faut que tu craches l'eau est à tout le monde, tu ne peux pas faire ça, et patati, et patata, et blablabli, et blablabla. » La grenouille, elle s'embêtait, elle en avait assez. Et pour toute réponse, elle a fait « Wouh, en serrant bien ses lèvres pour ne laisser tomber aucune goutte d'eau. Les animaux, les hiboux ont compris et ils sont redescendus à l'assemblée. À nouveau, tous ont réfléchi. Silence plat. Jusqu'à ce que un homme s'avance, se présente et dit : « Moi, je suis chanteur, je vais chanter. » Et il rassemble tout un groupe d'hommes, il invite les oiseaux et ensemble ils montent jusque tout en haut de la plus haute des montagnes. Et là, il regarde la grenouille en face. Et ils se mettent à chanter et à danser. Ils chantaient des chansons d'eau, de fontaines, de pluie. C'était magnifique. Les oiseaux les accompagnaient. Et la grenouille, elle a souri. Et puis elle a fait « Oh, 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 en serrant bien ses lèvres pour ne laisser tomber aucune goutte d'eau.
Les hommes se sont découragés. Ils sont redescendus jusqu'à l'assemblée. Et à nouveau, l'assemblée a réfléchi. Des animaux. Un lion. Un lion s'est avancé et il a dit « Je suis le roi des animaux, moi aussi j'ai mon idée. » Il a rassemblé, lui, tous les animaux les plus féroces. Oh, il y avait des phacochères, des léopards, des panthères, des tigres, des éléphants, des crocodiles, des pitons, enfin, des animaux très dangereux. Ils se sont mis au pied de la grenouille. « Grenouille, si tu ne craches pas ton eau, nous, on va te faire mal. » La grenouille ne dit rien. Alors les animaux ont commencé à griffer, à mordre, à piétiner, à piquer, à pincer. Mais la grenouille, elle s'en foutait. Elle ne sentait rien du tout. C'était un peu juste comme des guilis-guilis. Les animaux ont été fatigués. Ils se sont retirés, retournés à l'assemblée. Et l'assemblée a réfléchi de nouveau beaucoup. Aucune idée. Mais je suis sûre que vous, vous avez une idée. Alors, écrivez-nous la suite de l'histoire ou dessinez-nous la suite de l'histoire. Merci et au revoir.